Yo, salut tout le monde, c'est Bonex pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode où je m'incruste chez les youtubeurs. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va principalement faire Squeezie Live et on va aller dans le studio de Joyka. Plouf plouf, 1, 2, 3, ça sera toi au bout de 3, 1, 2, 3. Allez, on commence par la Joyka les gars. Ok, oh, par contre, ouais, on est minuscule. Oh, y'a Bernabé. Ok les gars, oh, mais c'est vraiment cool. Y'a tout en détail genre. C'est comme au premier épisode les gars, je sais pas si vous avez vu la vidéo du coup. Le petit palmito, c'est vraiment bien fait. Ça c'est... Le jeu de lumière, ça c'est ce qui fait tout en vrai. C'est abusé comment c'est stylé. Ok. Ok, désolé Joyka, je monte un peu sur ton bureau. Ok, il y a un petit clavier. Mais par contre, il est sale de ouf ton clavier. Par contre, maintenant, je crois qu'il a rajouté un deuxième micro pour faire les voix en mode... Voilà, ça c'est le truc de Joyka, j'ai rien à rajouter. Par contre, j'aimerais bien avec Bernabé, mais on peut pas, je crois. On peut pas aller chez Bernabé. Bon, j'ai envie d'aller chez Squeezie direct, en fait. C'est parce que j'ai envie d'aller chez Squeezie. Ok, donc là, on est chez Squeezie. Ok, il y a un escalier. Ok, il s'arrête ici parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu le haut de chez Squeezie. Ok, donc Squeezie, en fait, il a son setup sous l'escalier. On l'a vu en vidéo. Là, il a un PC portable, normalement. Voilà, c'est ça. Ok, il a des figurines, il a son trophée. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi? Un truc de rétro, mais minuscule, en fait. Là c'est quoi? C'est des petites sculptures, des figurines, ok. Il a... Ah, je croyais que c'était une caméra ça, je me suis dit mais pourquoi il a une caméra là? Ok. Ça c'est fait avec un truc de toilette. Une cuvette. Franchement ils sont... Il est imaginatif aussi, hein. C'est un truc de fou. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est quoi. Ok, donc le setup de Squeezie qu'il a chez lui, ça c'est le setup qu'il a chez lui, c'est pas Webedia hein, les gars. Ok, donc il a un double screen. Avec un petit Elgato, je pense que c'est au milieu là. Petit clavier, la souris, ok. Bah, tu sais qu'en vrai, genre, quand tu le vois en vidéo, tu te dis, c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement ce qu'on voit en vidéo, c'est dingue. Je vous mets la map en description comme dans la première vidéo. Et j'ai envie d'aller voir celui-là de Ninja aussi, vas-y on enchaîne. J'ai envie d'enchaîner là, j'ai envie d'enchaîner et peut-être qu'on fera même tout peut-être. Tout est possible. Ok, Ninja. Waouh, c'est dingue. Ah ouais, c'est pas le même truc qu'il a, hein, Ninja. Il a le petit... On peut le fouiller pour de vrai, ça? Mais non. Non, mais j'ai un réacteur dorsal. On fout le sbul chez... chez Ninja, les gars. Ok, ça fait plaisir. On fait du jackpack dans le studio. Ok. Donc il a un petit frigo là. Il a 4 écrans. Mais non. Il a 4 écrans, il a plein de figurines au-dessus. Il a un trophée ici. Ça fait plaisir. Je lui vole son trophée. Il y a marqué Ninja sa commode aussi ici. Il a un autre écran ici. Mais en fait il est trop bien. Franchement il est trop bien. Il est vraiment stylé de ouf son setup. On peut aller derrière là? Ah non j'ai cru. Et franchement c'est vraiment stylé de ouf. On peut pas encore, c'est pas encore disponible. Tu as le Fruitbiter, ok. Bon, on va aller voir le setup du créateur de la map, hein. Ok, donc ça c'est chez lui. Il est dans une chambre, du coup, c'est ça. Avec un petit lit. Si vous voulez aller cambrioler, y a pas de problème. Il a des posters, il a une télé ici, un PC portable ici. Ça fait plaisir. Donc il travaille sur PC portable, je pense. Parce qu'il a pas de tour. Il a pas de tour. Il a la... Je pense que ça c'est la Play 4 vu comment c'est. Ouais. Je sais pas si ça c'est des écrans. Je sais pas du tout. Il a une petite lampe au-dessus. Ouais, ça fait plaisir. Là il a une petite fenêtre. Ok. Franchement c'est stylé aussi. C'est stylé de ouf. Je sais pas s'il reste une map en bas ou pas. Je crois que il y a le setup de chez Cyril MP4. Je suis pas du tout sûr. Ouais ouais. Allez on l'enchaîne, c'est parti. Ok, c'est vrai que Cyril, n'oubliez pas les gars, il a refait son setup et le décor est vraiment magnifique. Donc là, ok. What the fuck. Oh lolo, oh lolo. Comment c'est beau. La petite porte d'Angers. Cotéateur coquelicot, ok. Ça c'est où est-ce qu'il range son matos du coup. Ça c'est les petites commodes sur les côtés. Mais non. Oh là là. Franchement c'est bien fait de ouf. C'est ça surtout là qui me surprend. Il s'est gavé de ouf. Il a même mis le petit drone qui pendouille. What the fuck, tous les jeux objectifs et tout. Le matos. C'est vrai que c'est un style. Ça, c'est la carte en tissu. Du coup, lui, il l'a fait avec comme ça. C'est vraiment stylé de ouf. Ça, c'est le setup de Cyril, les gars. Hop, 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 attendez. Vous dites pas. J'ai besoin d'un Elgato. Hop.
Allez hop. Là, c'est sérieux pour de vrai, les gars. Ils sont vraiment. Genre. Ils sont trop forts. Olsi. J'ai pas tout le temps de dire Olsi ou je sais pas. Ouais, c'est Olsi. Franchement, il est. T'es un ASD, voilà. Je te le dis comme ça, entre nous, voilà. T'es trop fort, gros. Comment tu fais pour créer des. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout comment il fait. Même les niveaux proportions, genre, il est. T'es fort en vrai. T'es vraiment chaud de ouf. What the fuck, c'est vraiment si de ouf. Voilà les gars, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu sur les setups des youtubeurs. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir, franchement. N'hésite pas à t'abonner juste en dessous, voilà, ça, tu scrolls, c'est vraiment juste en dessous de la vidéo. T'appuies sur le bouton s'abonner qui est en rouge, ça fait plaisir de ouf. Ça me fera plaisir de ouf. Et on se dit à la prochaine, c'était Wenex. Peace.